Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur une vidéo concernant le jeu Gwent où je vais vous parler de la faction Royaume du Nord et je vais vous présenter mon deck. Donc déjà, pour commencer en pouvoir de chef, j'ai mis Motivation Royale qui permet de donner un point à un allié tous les 2 tours. Avantage tactique, j'ai laissé cette carte qui est la carte posée directement sur le terrain quand on commence en premier à la première manche. Passons au deck. Alors on commence par Jace qui est poète, qui quand il est déployé permet de piocher une carte qui va être mise dans notre jeu et par contre on va être obligé de jouer une carte juste après du jeu. Enfin de notre main. Vernon Roche, qui est un espion permettant de piocher les 2 premières cartes de son jeu. Donc il va être posé chez l'adversaire et les 2 premières cartes vont être à jouer immédiatement. Geralt de Rive, bien sûr, que j'ai gardé, qui est dans le deck de base, qui permet de détruire une carte de force de 9 ou supérieure. Neneke, qui permet de soigner quelqu'un 4 fois et qui peut avoir d'autres utilisations si on a des cartes qui permettent de redonner des utilisations. Et elle la zèle, donc zèle ça permet à ce que au lieu d'attendre un tour de pouvoir jouer un ordre, on peut jouer directement. Grégoire de la Gorgone, à mettre sur le combat rapproché, il faut qu'il inflige un point de dégâts à un ennemi, sachant que c'est préférable que l'ennemi il ne lui reste plus qu'un seul point. Comme ça, il peut activer Coup mortel qui lui donne 5 points et lui confère un bouclier. Le bouclier va lui protéger une fois des dégâts que l'adversaire peut lui faire. Mais par contre, après, quand il perd ce bouclier, là, on peut attaquer ses points de vie. Le Couvain, qui est une carte que j'apprécie bien parce que à chaque tour, il va pouvoir infliger un point de dégâts à l'ennemi. Et quand on le transforme en Sommeillard, il va soigner un allié, le plus faible. Il faut savoir que tout attribut est enlevé quand vous le transformez. Donc si par exemple le couvain se fait empoisonner ou subit un saignement, si vous le transformez en sommeillard, il va perdre tout ça et c'est comme si vous venez de poser une nouvelle carte. Et vice-versa, si vous transformez le sommeillard en couvain, ça fera exactement la même chose. Pareil, si vous leur donnez des améliorations, bah, la carte va perdre toutes ses améliorations. Donc mieux vaut ne rien mettre dessus. Alors Vizgère permet d'infliger des points de dégâts aux ennemis d'une utilisation à chaque fois. Il gagne une utilisation pour le nombre d'alliés que vous avez amélioré sur le terrain au moment où vous le posez. Immortel, il faut le mettre en combat rapproché, donc sur la première ligne, et il gagne 2 points de vie à chaque fois qu'il se fait attaquer par l'adversaire et que ça lui fait perdre son bouclier. Et à chaque tour allié, il va récupérer son bouclier, ce qui le rend vraiment immortel. Dorgaret de vol, qui permet juste de verrouiller une unité. Anna Stranger, qui est une très bonne carte aussi, qui va soigner son allié à sa droite. Et si elle est améliorée, elle va également soigner son allié à sa gauche, ce qu'on appelle la motivation. Tambour Témérien permet à chaque tour de soigner son allié à sa droite. L'adepte d'Arethusa, qui permet de donner une utilisation à une autre carte, qui possède justement les utilisations. Comme on vient de voir sur Neneke par exemple. Et si jamais il y a déjà un mage sur le terrain, vous n'avez pas besoin d'attendre un tour pour donner l'utilisation, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Et du coup, bah, à chaque tour, elle récupère une utilisation à donner à quelqu'un. Magicien de Syntra, du coup, qui inflige un point à chaque fois qu'il a une utilisation. Et par contre, il va falloir attendre un tour avant de pouvoir l'utiliser. Émissaire de Syntra qui permet de donner 2 utilisations à un allié et pour qu'elle puisse donner sa capacité directement, il faut la mettre au premier rang. Fort de Chariot qui a le pouvoir barricade, ça veut dire que tant qu'il possède une armure, il va donner une armure à ses unités de chaque côté. Ce qui se complète bien avec Archer Redanien.
qui lui inflige un point de dégâts qui sont donnés par une utilisation qu'il gagne à chaque fois qu'il garde son armure à chaque tour. Ce qui est plutôt fort avec Fort de Chariot. Ensuite, nous avons Fantassin de Tridam, qui est assez fort quand il est complété par Anna Stranger et Tambour Témérien. Car à chaque tour, tant qu'il se fait soigner, il fait autant de dégâts que d'améliorations qu'il a pu avoir. Garde du Temple, à mettre en combat rapproché, donc sur la première ligne aussi, va permettre d'améliorer d'un point 3 unités qui se touchent. Et en dernière carte, j'ai complété avec un Chevalier Redanien, qui tant qu'il garde son armure, à chaque tour va gagner un point de vie. Et si jamais il perd son armure, il va être mis sur la ligne en avant et infliger 2 points de dégâts à l'unité adverse la plus forte. Donc voilà pour la présentation de mon deck sur le Royaume du Nord. Maintenant, on va partir en entraînement pour que je vous montre ce que ça donne. Alors, on se retrouve du coup contre une faction monstre. Qui a comme pouvoir de chef Digit. J'ai un peu de mal à le prononcer, je ne sais pas trop comment il se prononce en fait. Et ça permet en fait d'invoquer un monstre à un point à chaque fois sur le terrain. Et à chaque fois qu'il disparaît du terrain, ce pouvoir peut être utilisé. Alors là, vu qu'on commence le premier, on peut échanger 3 cartes. Du coup, c'est très bien, on a déjà Anna Stranger avec le Fantassin Tridam. Ce serait bien de tomber peut-être... du coup, on a 2 Fantassins de Tridam avec Anna Stranger. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par mettre l'archer. Avec autant de cibles, je risque pas de manquer mon coup. Et puis voilà, on va passer à son tour. Voilà. Brooks, qui inflige un saignement pendant 2 tours sur une carte. Donc les saignements, ils ignorent complètement l'armure, ils s'en fichent beaucoup. Alors par contre, elle a le pouvoir développement, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va jouer une carte plus forte que celle-là, elle va gagner un point. Donc, on va essayer de mettre Anna Stranger sur le terrain en espérant qu'elle ne se fasse pas tuer très rapidement. Et on va attaquer Brooks. Car si j'élimine cette carte-là, il va pouvoir en rappeler une autre à la place. Bon, après, elle a développement, ce qui est assez pénible, parce que du coup, pareil, à chaque tour, elle va pouvoir gagner un point de vie. Encore une carte développement. Alors, du coup, il va me déplacer mon unité, très bien. Bon, maintenant j'ai 2 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on va essayer de mettre un Fantassin Tridam. De soigner Anna Stranger pour pas qu'elle meure parce qu'elle est quand même assez importante. Mettre un point Fantassin Tridam pour qu'il attaque. L'archer va tuer personne, il va juste attaquer une croix, c'est bien. Bon, on a eu de la chance, déjà une carte en moins de développement. Après, ce qui aurait été pas mal, c'est d'avoir Tambour Témérien. Nous nous sommes fait de merde. Ce qui m'aurait permis de le mettre ici et que Fantassin Tridam puisse doublement mettre des coups à chaque fois qu'il est soigné. Donc nous allons attaquer Brooks. Ce serait bien de l'éliminer pour contrer le développement. Ce qui pour l'instant est assez compliqué. Ah, c'est bon, on a réussi. Ensuite, je
sais pas si je tente. Je pense que si je mets Némeke, je les soigne. Rien de mortel. Je pense que l'adversaire va se rendre. À mon avis, il va passer. Là. Il y a beaucoup trop d'écart, on est à 6-30. Il va passer son tour. Ah non, même pas. Eh bien, s'il ne passe pas son tour, moi je vais passer mon tour. Parce que je pense que là, il n'y a pas moyen que je perde avec deux fantassins tridames soignés par un Astranger. À moins qu'il ait trop contré. Parce que là, vous avez vu, il a dû jouer énormément de cartes pour essayer de me rattraper. Donc c'est très mauvais de continuer une partie quand vous avez deux fantassins tridames qui sont soignés, qui infligent en permanence des dégâts et qui montent en permanence votre vie. Donc là, c'est assez bête que l'adversaire continue à poser toutes ses cartes. Je sais que c'est un bot, mais en général, même si c'est un bot, il aurait dû se rendre. Faut savoir aussi que je suis parti en entraînement parce que parfois quand on joue contre des vrais joueurs, le problème c'est qu'ils mettent énormément de temps à jouer leur tour, même s'il y a un compte à rebours, et la vidéo aurait été super longue, je pense. Du coup, je vais vérifier ce qu'il me reste en carte. Alors, je ne suis pas du tout tombée sur mes cartes qui me permettent de piocher d'autres cartes. Oh, c'est bête, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer ça. Changer ça. Bon, très bien. Alors, pour le coup, c'est à moi de commencer. Écoutez, on va jouer toutes les cartes, hein, parce que bon, 3 cartes contre 8, je pense que l'on a peu de chances de perdre. Je pense que là, c'est tout gagné. Ozreal qui permet de manger une carte dans son cimetière pour le monter. Du coup, on va mettre le magicien de Sintra. Wyvern qui permet d'infliger 2 points de dégâts à une unité ennemie. Enfin, si elle est déployée à distance, il décide de le mettre en combat rapproché. Je vais mettre mon adept pour ajouter une utilisation. Et nous allons éliminer cette carte-là qui possède développement. Ce qui veut dire que si je joue notre carte, elle va monter. Je vais soigner ma carte. Autant de profiter de son pouvoir de chef tous les deux tours. Hein. C'est pas négligeable. Bon, après, cette partie était plutôt facile. Je pense qu'un vrai joueur aurait passé son tour à la première manche. Après, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est que quand vous avez deux fantassins tridames, avec un Astranger au milieu pour les soigner, si votre adversaire ne connaît pas encore très bien le jeu et qu'il pense que vous avez passé et qu'il peut gagner, bah, c'est plutôt pas mal parce que bah, il va perdre toutes ses cartes à vous battre alors que ça va être compliqué qu'il puisse vous battre. À moins qu'il ait des cartes qui permettent de détruire un Astranger ou les fantassins. Mais bon... là, je vais jouer assez rapidement parce que de toute façon, c'est fini. Hein. C'est gagné à la main. Voilà. Ça, hop. Après, je pourrais très bien passer. De toute façon, j'ai gagné. Mais vu qu'il y a des missions, j'essaie de valider les missions en même temps. C'est pas négligeable. Voilà. Et du coup,
coup, ma dernière carte qui gagne 4 utilisations pour l'avoir posée elle et les cartes qui sont déjà améliorées. Et ce qui va nous permettre de supprimer toutes ces cartes. Ça nous fait un petit perfect. Donc voilà pour la présentation de mon deck sur Royaume du Nord. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.